having a hard time saying goodbye to you. I never thought that my heart would break in two. People say it's gonna take time and all of the strength I can find. Having a hard time saying goodbye to you. Saying goodbye. Mesdames et messieurs, je voudrais d'entrée de jeu vous dire merci d'être avec moi pour ce grand hommage à la mère biologique du premier ministre du gouvernement légitime du président Gabriel Kodua-Boyomé, monsieur Ben Diagba Kofi, qui vient de perdre sa mère, une mère âgée de plus de 100 ans. Ben Diagba, je voudrais tout simplement dire que la douleur, elle est vive. Et c'est avec un courage que tu fais à cette épreuve. Pas une maladie incurable, qui est donc la vieillesse à l'âge de plus de 100 ans. Votre mère, votre maman bien-aimée, était animée d'un courage et d'une volonté exceptionnelle. Elle a suivi de bons soins. Vous avez fait tout ce que vous pouvez. Mais lorsqu'on atteint l'âge de 100 ans, c'est une grande bénédiction, mon cher Ben. L'optimiste restera à vos côtés, à vos yeux, une véritable leçon de vie. Mon cher Ben Diagba, votre mère a réellement décidé de vous quitter et rejoindre une vie céleste, tranquille et sereine. Vous le savez, là où elle est en paix. Elle n'a plus de douleur. Une maman de 100 ans, ça se célèbre. Ben Diagba, premier ministre du gouvernement légitime du président Kodua-Boyomé. Je voudrais à l'intention de toute la famille togolaise, et en particulier la famille de Ben Diagba, remercier tous les amis qui sont venus exprimer leur tristesse et souvenir du temps passé avec cette mère biologique. C'est une mère qui était tendre. Ceux qui ont passé de bons souvenirs avec cette mère, ils seront en servir. C'est une bénédiction. Il faut dire que la mère de Ben Diagba, une mère à tous, était pour tous les amis une personne aimante et joviale. Quand vous avez une telle mère, estimez-vous heureux. Lorsqu'elle meurt à l'âge de 100 ans, estimez-vous heureux. Ben Diagba, vous avez gagné. C'est tout ce que je peux dire. Nous pensons en particulier à tous ses amis qui l'ont réellement assisté, passé du temps avec elle. Ses amis qui échangeaient énormément de bons moments. Cette mère était totalement joviale. D'ailleurs, on ne compte plus le nombre de fois que cette mère parlait à tous.
Elle disait toujours qu'elle ne pourrait pas vivre sans son entourage, qui était pour elle une source de vie inestimable. Cette mère, elle vous racontait tous ses éloges, elle vous racontait toutes les histoires qui pouvaient quand même vous intéresser et vous amener à changer de vie. Cette mère était une bénédiction. Pour tous ceux qui l'ont fréquentée, tous ceux qui l'ont suivie, tous ceux qui l'ont vue, je dirais que c'est une bénédiction. Nous tenons aussi à remercier chaleureusement les voisins de près et de loin des États-Unis, du Togo et partout dans tout le monde entier, ceux-là même, et qui ont choisi penser à elle en déposant la couronne de fleurs de toute affection et toute la bienveillance que cette mère a évoquée à leurs yeux. C'est une mère qui aimait la vie. Elle écoutait. Elle donnait beaucoup de conseils, de réussite. Elle était une mère sportive. Aujourd'hui, elle n'est plus. Elle a 100 ans. Elle est partie. Lorsque une telle personne va, à l'âge de 100 ans, c'est la bénédiction. Elle a besoin d'être célébrée. Elle veut aller en paix. Cette mère, nous devions prier pour elle. Et pour tous ceux qui auront le temps de prier pour elle, je pense qu'ils ont la chance d'avoir plus de 100 ans pour aller demain dans l'au-delà. Bien évidemment, ma famille et moi communions notre douleur avec cette grande famille de Ben Diaba, ses frères et sœurs, les pères, les mères, les cousins. Les mots sont courts et difficiles pour évoquer ce que cette maman a représenté pour nous tous, et en particulier pour le peuple togolais. Je le dis parce que c'est une maman qui a vécu et qui était réellement au four et au moulin pour élever ses enfants, pour s'occuper de ses enfants, pour les amener à l'école. Vous savez, souvent, quand on est, souvent nos pères n'avaient jamais le temps de s'occuper de nous. Mais la mère, elle fait tout le possible pour s'occuper de nous. La maman de Ben Diaba l'a fait. Elle l'a fait. Aujourd'hui, vous voyez ses enfants, des enfants bénis de Dieu. Alors, je voudrais, en toute sincérité, à travers ma parole, mon cher Ben Diaba, Premier ministre du gouvernement légitime du président Kodjo pour une douleur, pour toujours, le flot des souvenirs du passé aux côtés de votre mère est réellement une richesse. Comprenez cela, mon cher Ben. Vous avez passé du temps avec elle. C'est une richesse. Vous avez bénéficié d'une richesse. Et cette richesse, elle est totalement inouïe. Elle est grande. Mon cher Ben Diaba, le dévouement de votre mère, sa générosité extraordinaire a comblé tous vos cœurs dans le long de votre vie commune. Personne ne peut vivre la manière dont Ben Diaba a vécu avec sa mère. Il était comblé de joie. Il était comblé de bénédictions. Aujourd'hui, allez voir Ben Diaba. Je pense que les Togolais doivent protéger ce monsieur. Parce qu'il travaille pour le monde entier. Vous ne l'avez pas connu, ce monsieur. Nous, qui sommes à la diaspora, nous le connaissons. Ben Diaba
aide le monde entier de par son intellectualisme. Un intellectuel fait parmi tant d'intellectuels. Il ne parle pas beaucoup, mais l'aide qu'il fournit au monde entier est incommensurable. On ne peut pas compter cela. Ben Diagba, vous êtes un homme. Je voudrais, de par mon allocution, vous dire que Ben Diagba, votre mère est une femme qui a montré à tous les vraies valeurs et les petites choses essentielles de la vie. Pour ceux qui connaissent cette mère, c'est une mère qui éduque comme toute autre mère. C'est une mère qui conseille comme toute autre mère. C'est une mère qui veille à tous les grains comme toute autre mère. C'est une mère qui est totalement ravissante. Elle disait à tous, le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. C'est beaucoup profond ce que cette mère disait. Cette phrase résonne si fortement aujourd'hui pour nous tous et nous appelle au souvenir des jours heureux passés ensemble avec cette mère, cette femme de substance. Elle est très profonde, cette mère. La phrase qu'elle a prononcée, elle est très profonde. Mesdames et messieurs, si vous avez vécu avec une telle mère, dites-vous que vous êtes totalement bénis de Dieu. Merci à tous, chaleureusement, pour vos pensées de soutien à l'endroit de son excellence, Monsieur Ben Kofi Diagba, Premier ministre du gouvernement légitime du président Kodjo Agbuyome. Je voudrais sur ce vous adresser les condoléances les plus attristées pour vous dire les morts ne sont pas morts. Votre mère, elle sera auprès de vous et elle vous donnera du tonus. C'est tout ce que je peux dire, Ben Diagba. Que Dieu vous bénisse. Soyez totalement comblés. Soyez totalement comblés. Ne soyez pas épris de paix. Ne soyez pas épris de joie. Ne soyez pas triste. Elle est déjà partie. Elle vous a laissé ce que j'appelle une richesse qu'on ne peut pas compter. Imaginez cette richesse. Votre mère, elle a été votre mère. Elle est partie. C'est ce qu'on peut dire, Yako. Que Dieu vous bénisse. I'd be saying goodbye to you. I'd be saying goodbye to you.